Salut les amis, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de Resident Evil 3. Alors ça va arrêter pour parce qu'on trouvait pas où il faut aller, mais en fait il faut monter à la surface et j'ai réussi et il fallait récupérer la batterie. Donc c'est parti, on va faire un truc, c'est... Attendez. On va juste jeter quelque chose, tant pis. Je jette ça. On récupère la batterie. Et on va la mettre sur l'autre porte. C'est ça qu'il fallait faire. Hein. Yes. Allez, encore deux impatients de plus. Allez, hop, hop. C'est bon, on a trouvé les amis. Carlos, tu m'entends maintenant? Jill, tu m'as foutu la trouille. Tout va bien? Ouais, ça va. Je les mets. Parfait, le métro est prêt à démarrer. On part dès que t'es revenu. Non, 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 s'il te plaît. S'il te plaît, mais non. Lâche-moi, laissez-moi. Bah oui, peux-tu utiliser des armes, du croco? Qu'est-ce que tu crois? Combiné. Sauf que... Combiné avec quoi? Non, ça je peux pas. Que je peux reprendre la K et l'équiper? Yes. Pas la K, qu'est-ce que je raconte? On va sauvegarder. Et on va continuer notre aventure. Ah, il va pas nous lâcher, ça sert à rien. Bah cours plus vite. Je peux pas courir plus vite que à ta place. Il faut aller où? Alors. Oh, ah ouais, l'arme qu'il a. Waouh. Ah, j'aimerais trop bien l'avoir, son arme. Oh coco, calme-toi. Calme-toi coco, calme-toi.
Bah oui, comme par hasard. On va sauvegarder, hein. Ah ouais, je dois me battre avec, je crois. Ah oui. Allez, let's go, c'est parti. C'est parti, let's go. En fait, ça lui fait rien le. Faut tirer dans sa citerne. Allez, allez. Putain, j'ai eu peur. Hein. J'ai plus de balles. J'ai plus de balles. Oh, tu vas me lâcher, ouais. Boum. C'est bon, je peux guérir. Wesh. Ah, moi je te le dis. Je te le dis, tu vas mourir. Tu vas mourir, ça c'est clair. Ouais, je vais pas te lâcher, mon gars. Désolé pour le micro. Wesh, mes frères. Oh. Ah, il me fonce dessus et tout. Ah, ça a niqué de la tête, lui. Attends. Récupérer des balles de sang. Il est mort. Il est mort. Ouais. Pop. Oh my god. Wow. Voilà, la sphère défoncée par le. Oh, ça va, t'as encore envie. C'est le principal. Yeah, j'ai eu un succès. Carlos, c'est Jill. Tu me reçois? 5 sur 5. Ça va? Ouais. Cette fois, il est mort. Nickel. Tant mieux. Mais qu'est-ce qui t'a pris de servir là-bas? T'aurais pu te faire tuer. Commence pas. J'ai pas eu d'autre choix. Je sais. Dépêche-toi. Il va se passer un truc. Je sais pas.
pas pourquoi, mais je pense qu'il va se passer un truc. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il va se passer un truc. On récupère tout qu'est-ce qu'il y a hein, de toute façon. Hein? Attends. Combiné. Voilà. Combiner avec ça. Bouge pas! Merde, Jill! Kendo, t'as rien? Calme. C'est vite dit. Désolé, je voulais pas te faire peur. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Sans blague. Écoute, on évacue les survivants par le métro. Tu viens? Le métro? Ouais. C'est une bonne idée. Une fois dehors, on aura de quoi faire. Tu pourrais nous être utile, tu sais. Ah oui, carrément. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste que le moment est mal choisi. Écoute, t'en fais pas pour moi. Je vais m'arranger autrement, d'accord? Y a intérêt. T'es le meilleur armurier qui soit. Oh non. Pas de risque inutile, d'accord? Le risque, c'est ton métier, hein? Sois prudent, Jill. Ok, mon pote. Clé de la porte. Grillage, ok, alors attends. Ouais, mais j'ai plus de. Attends. Tu vas aller au métro en train de l'aller de service à côté du magasin, d'accord? La clé est accrochée au mur. Ok, c'est bon, je l'ai déjà pris la clé, t'inquiète pas. Mais ouais, frère. C'est bon là, ça te suffit. C'est vrai que ça j'en ai pas, j'ai pas fouillé mais je crois que j'en ai loupé. Putain. Oh frère, hey. Est-ce que ça te suffit là? Là c'est bon là? Ok. Et y a pas un point de sauvegarde, non?
non, c'est là où que je viens. Donc c'est la porte là-bas. Non mais frère. Frère, c'est quoi ça? Mais vas-y. Oh putain, mais c'est à notre caisse. Oh là 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 là. Dégage. Olé mon gars. Ah mais il va jamais mourir ce mec. Bah non. Putain. Attends. Ah, j'ai pas de soin en plus. Je suis mort. Je pense que je suis mort. Ça fait mal hein. Je sais pas comment on fait pour le tuer lui mais... Y'a moyen pour le tuer hein. Juste trouver la tactique. Jill, tu m'entends? Je crois que je sais comment ralentir cet enfoiré. Allez, reviens vers la station. On l'a tiré vers vous? T'inquiète, fais-moi confiance. Oh my god. Non 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 non. Wow. Espèce d'enfoiré. Espèce d'un petit temps. Ah non mais c'était pas par là que je dois aller. C'était pas par là que je dois aller. Demi-tour. J'arrive, j'arrive. Ça
Ah, comment il est moche. Allez, bravo, bravo. Allez au camp du métro. Je suis blessé en plus, bah oui, mais j'ai pas de soin. Carlos, je sais que j'ai pas été très sympa avec toi, mais merci de m'avoir sauvé. Hey, tu m'as sauvé en premier. Tu es bien plus courageuse que moi. Ce qui compte, c'est qu'on va pouvoir évacuer tout le monde maintenant. Ouais, tu seras hors de danger. Et toi ? D'après ce que j'ai compris, pas de voyage. Et pourquoi ? On a de nouveaux ordres. Enfin, si c'est pour aider la ville, moi, je suis pas content. Sur le point de partir. Carlos, Tyrell, vous connaissez les ordres. Vous devez remonter en ville et essayer de trouver Nathaniel Bard. J'espère que c'est pas le dernier métro, hein ? T'en fais pas. Une fois les civils à l'abri, le train reviendra. C'est bon, tu peux partir. T'inquiète pas, je vais pas mourir, on se débarrasse pas de Carlos comme ça. Si tu le dis. Il faut que vous trouviez ce scientifique. Ses recherches sur le vaccin pourraient nous sauver. Tu vois, tu apprends. La seule vie qui compte, c'est la tienne. Bonne chance. On y va. Le grand départ, le 29 septembre, 2h11. Tu crois quand même pas qu'un gratte-papier comme Bard est encore en vie ? Rassure-moi. J'ai de bonnes raisons de le penser. Pourquoi ? Tu es inquiet pour tes coéquipiers ? Ou pour autre chose ? C'est drôle comme des zombies sans cervelle peuvent prendre un peloton par surprise. Comme par hasard, la porte était fermée. Bizarre, non ? Il est bizarre ce mec-là. Oh oh, non, dis-moi pas que c'est encore l'autre. Oh non, mes frères, il nous suit partout. Non, c'est trop tard. Vite, par ici. Ouais, il nous suit partout, frère. Nikolai, qu'est-ce que tu fais ? C'est pas moi qui le cherche. Tu vois, je te l'avais dit que c'est un enfoiré. Là, tu vas me dire qu'il est pas encore mort. Là, il est mort. Ah, on est bien d'accord, les gars. Il est mort. À l'heure qu'il est, le métro doit déjà être loin de la ville. Bah, non, là. Ah, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que tu crois ? Elle est pas comme les autres. Descends sur Terre, Roméo. On est au commissariat. T'es sûr ? Moi, je trouve que ça ressemble plus à un cimetière. Ah ouais, c'est un cimetière, ça. Ça, je peux te le prouver. Bran, arrête ! Tyrell. Oh non, mec ! Pas toi, putain ! Mais tire !
une balle dans la tête. Non, non, non. Voilà. Voilà, 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 voilà. C'est fini pour toi. Merde, c'est fermé. Charge-toi de la porte. Je m'occupe de cet enfoiré. Amène-toi. Ah ouais, ça, ouais, après ça c'est la suite de... Et je m'en fous, on a autre chose à faire. Si nos infos sont exactes, Bard est dans le bureau du Stars. On a juste à le trouver et à le capturer. Capturer ? Je croyais que c'était un sauvetage. Carlos, mate un peu ça. J'ai localisé le bureau du Stars. Oublie pas, Bard connaît les pires secrets d'Umbrella. Il sait qu'on le laissera pas partir facilement. Donc cette mission recherche et sauvetage, c'est plutôt trouver et capturer. Ok, c'est bon à savoir. Je vais ouvrir la grille pour que tu puisses passer. Toi, reste ici et tente de savoir ce qui s'est passé dans le commissariat. Je t'appelle si j'ai du nouveau. Ok. Hey, sois prudent. Allez, on enregistre. Ouais, moi aussi mec. Des munitions. Wesh, qu'est-ce qui se passe? Waouh. Putain, c'était quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Cette bestiole là. Dirait qu'il est parti. Oh merde. Voilà, le dodo. Je l'avais pas vu arriver celui-là. Grenade. Munition. Tyrell, tu me reçois? Apparemment, il y a un truc craignos ici. Je sais pas ce que c'est. Un truc craignos? Ok. Je vais jeter un œil avec les caméras. Fais gaffe. Ah merde, il était derrière. Allez. Allez, dégage, dégage. Fait de dodo. Merde, c'est fermé.
Enregistrement. Hop. On fouille ça. Donc là, la vidéo va durer un petit peu plus longtemps. Si seulement on pouvait les tuer avec un appareil photo. Genre, t'as cru que t'allais les tuer qu'un appareil photo, toi. Carlos, le bureau du Stars est à cet étage. Compris. C'est peut-être le papier que j'ai reçu, non? Il doit avoir un code. Une clé, ok. Bah ouais, mes frères. Il y a pas de code là. Donc je trouve le code. Voilà. Moi, je te mets pas mal de balles comme ça, moi t'es mort, toi. Et d'avoir un code. Non, la sécurité. Il doit y avoir un code quelque part.
appareil électronique. Ok. J'imagine qu'il va falloir qu'on fasse sauter ça. Mais comment tu fais pour sauter ça? Tu tires dedans? Non. On met ça, ok. Je comprends plus rien, je comprends plus rien. Écoutez les gars, dès que j'arrive à trouver, je vous reprends parce que sinon on va passer encore 3 heures dessus. À toutes. Voilà les amis, ça y est, on a trouvé. J'ai fait les coffres. Au moins. Oh non, mais pas encore sauté, sérieux. Fait des gens la pile 1 0 3 il l'a pas, le 2 il l'a pas et le 1. Bon écoute, pile qui va, ok je prends, attends ça combiné avec ça et là on pourra faire exploser le mur. Donc là il reste quoi? Là y'a rien, là y'a rien. Là ici y'a rien. Là y'a rien. Attends, fais ça. Non, ça on peut pas. Bah écoute c'est parti, on va, je sais plus c'était où par contre. C'est en haut je crois. Voilà c'est fermé. Ouais, je crois que c'est en haut qu'il faut aller faire exploser le mur du... Il a fait pour dégringoler lui. Toi, il était mort. Non, j'étais trop loin. Non. Ça va faire boum. Ça va faire boum. Boum boum.
Et ça fait boum. C'est pas possible. C'est quoi tout ça là? C'est réunion de zombies hein? Docteur Bard. Oh, Dieu merci. Vous savez depuis combien de temps j'essaie de contacter quelqu'un? On va vous sortir de là. Dites-moi juste où vous êtes. Je suis enfermé dans ce putain d'hôpital, au milieu de toutes sortes d'abominations. Envoyez le Stars. Ils sauront quoi faire. Négatif. Le commissariat est infesté. Alors trouvez une solution! Umbrella a perdu la raison. Il massacre tous les chasseurs! Je suis la seule personne qui puisse fabriquer le vaccin pour arrêter les zombies. Alors soit vous restez où vous êtes à vous gratter les couilles, soit vous envoyez quelqu'un qui soit capable de me sortir d'ici. Oh, tu vas te calmer, avec qui, hein. J'aime déjà. J'en doute pas. C'est un problème. T'as entendu ? On peut pas le livrer à Umbrella. C'est pas à nous de décider, c'est à Mikhail. Je vais voir sur l'ordinateur s'il y a moyen de localiser le doc. Et moi, je fais quoi là? Ça va prendre un moment. Va voir si tu trouves quelque chose d'utile dans le coin. Ok, c'est parti. Quelque chose dans le coin. Est-ce que c'est Jill au premier rang? Ouais, j'écoute. Il y a des blessés? Jill? Oh merde! Hein, quoi? Jill! Jill, qu'est-ce qui se passe? Jill, réponds! Bon, je dois y aller. Ok, ça marche. Moi, je m'occupe de Bart. Ah ouais, c'est avec le train qui a déraillé. Avec l'autre, avec le monstre. Ok, remonter à la surface. On a un point de sauvegarde, donc ça c'est cool. Carlos, réponds. Carlos ?
pas de réseau. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? Le fusain pour pas utiliser. Ça c'est quoi ça? Ah. Ok. Hop, on en résiste les gars. Donc on s'arrête là pour ce troisième épisode et on se retrouve pour le quatrième épisode. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.